Philippe Claudel, Le monde sans les enfants. Histoire numéro 3 Le dur métier de fée. Coraline peignait sa poupée préférée dans sa chambre lorsque la fée apparut. Bonjour, dit celle-ci d'une voix très douce. Bonjour, dit Coraline avec lassitude sans même la regarder. Je suis la fée. Ah! se contenta d'acquiescer la petite fille, qui continuait toujours à s'occuper de sa poupée. La fée parut un peu décontenancée. Elle tout sauta, fit quelques pas de gauche et de droite, rajusta un pan de sa robe, une robe merveilleuse, couleur de clair de lune, arrangea une mèche de ses cheveux qui tombait sur son magnifique visage ceint d'un diadème d'or pur coraline ne l'avait toujours pas regardé je suis une fée chantonna de nouveau la fée deuxième édition murmura coraline euh, pardon oui vous l'avez déjà dit vous vous répétez je le sais que vous êtes une fée eh bien oui je suis une fée et je suis dans ta chambre je suis venue te voir mais moi, je ne vous ai rien demandé et je ne suis pas allée vous chercher. Les lèvres de la fée tremblèrent un peu. Elle tenait dans sa main droite sa baguette sans trop savoir qu'en faire. La petite fille ne lui avait toujours pas accordé un seul regard. Elle peignait sa poupée d'un air appliqué. Tout de même, finit par hasarder la fée, te rends-tu compte de la chance qui est la tienne Combien de fillettes aimeraient être à ta place Voir une fée, une vraie fée dans leur chambre ah! Oh, tout de même, tu consens à me regarder. Coraline, tout en soupirant, venait en effet de tourner son visage vers la belle dame, qui de bonheur esquissa alors quelques pas de danse avec une grâce extraordinaire. Écoutez, madame, dit Coraline, je joue bien tranquillement dans ma chambre, vous entrez sans frapper, euh, comme si vous étiez chez vous, ce n'est pas très poli. Mais, mais je. Enfin, ma petite. tu. tu je, je suis une fée. Tout de même. Vous croyez que c'est une excuse? Vous croyez que c'est en répétant toujours cela que j'accepterai cette intrusion chez moi? Il y a des lois, madame. Je pourrais appeler la police, elle viendrait immédiatement et vous seriez arrêtée. De plus, vous importunez une mineure, une très jeune enfant. J'ai six ans, madame. Et la loi est encore plus sévère avec les personnes qui harcèlent les très jeunes enfants, qui entrent dans leur chambre sans permission, qui leur font les yeux doux, qui essaient de les embobiner avec des histoires abracadabrantes. De grosses gouttes de sueur glissèrent sur le beau front de la fée. Elle s'appuya contre le montant de, du lit de Coraline tant elle était troublée elle tenta quelques mots c'est le rêve de toutes les petites filles que de voir une enfin je croyais que oui toutes les fillettes les enfants les, les enfants adorent les fées je... enfin il me semble je, je crois croyez-le si cela vous fait plaisir moi ça ne me dérange pas mais Laissez moi tranquille, s'il vous plaît. J'ai des pouvoirs magiques, sais tu? La fée avait parlé un peu plus précipitamment. Coraline soupira bien fort, haussa les épaules, secoua la tête. Des pouvoirs? Oui, absolument. Des pouvoirs incroyables grâce à cette baguette. La fée reprit confiance et fit quelques figures en l'air avec sa baguette incrustée de diamants. Coraline posa délicatement sa poupée sur le sol, se tourna vers la fée, croisa les bras et grimaça. Voilà une semaine que vous venez tous les soirs dans ma chambre. Voilà une semaine que vous me servez le même numéro. La fée les pouvoirs, la baguette. Mardi, vous avez voulu faire tomber une pluie de roses. Il n'y a eu qu'un petit nuage d'une puanteur stupéfiante. L'odeur est restée pendant des heures. J'ai dû me boucher le nez pour m'endormir. Oh, une maladresse! Mercredi, vous vouliez transformer mon ours en peluche en prince charmant. Résultat, vous l'avez changé en poireau. Que voulez-vous que je fasse d'un poireau? Je, je, je me suis trompée dans la formule. Jeudi, vous avez fait disparaître mon livre de contes. Une erreur, rien qu'une erreur. Vendredi, vous avez cassé ma chaise en voulant la changer en carrosse. Et je me suis fait disputer par maman. Oh, je suis désolée. Samedi, vous vouliez faire parler mon chien il vous a à moitié dévoré la jambe. Oui, je manque d'entraînement, il faut me comprendre. Alors, de grâce, madame, vos pouvoirs gardez les. Vous allez gentiment quitter ma chambre, sans protester, sans me dire autre chose, sinon je hurle, et mon papa y viendra. Et mon papa il n'a aucun pouvoir, pas même sur ma mère. Mais lui, au moins, il est très fort. De grosses larmes coulaient sur les joues de la fée. Elle éclata en sanglots Coraline, qui n'était pas une mauvaise fillette, lui tendit un mouchoir. Madame, reprenez vous un peu de dignité, s'il vous plaît. La fée s'essuya, se moucha bruyamment, se gratta la joue avec sa baguette, s'affala sur le lit, et de ses yeux rougis regarda Coraline. Oh, je sors d'une longue période de chômage. Oh, C'est tellement dur de ne pas travailler pendant des années. Je... Je ne sais plus trop m'y prendre. Coraline s'approcha d'elle et lui tapota le dos. Ah. Oh, ça reviendra, dit elle, ça reviendra. Il doit bien y avoir des stages de remise à niveau. Ah. Oh, tu crois? demanda la fée avec une pointe d'espoir. Mais oui, j'en suis sûre. Je suis peut-être trop vieille. Mais non, mais non. Oh, et puis, vous devriez aussi aller chez un psychothérapeute. C'est utile dans les périodes difficiles. C'est important de se reconstruire, de rebondir, de croire en soi. Oh, nous, nous sommes dans une société qui n'aime pas les perdants. Du neuf, quoi. Soyez une tueuse. Une tueuse Oh oui, façon de parler. Dites-vous que vous allez les exterminer. Mais qui Mais les autres, les concurrentes, les employeurs, les. Oh, bon, laissez tomber, oubliez ce que je viens de dire. Pour vous, et vous peut-être mieux consulter un médecin. Il y a maintenant des traitements sans effet secondaire qui sont d'une grande efficacité. Oh. Tu as raison. C'est ce que je devrais faire. Oh. Tu es une gentille petite fille. Tes parents ont bien de la chance. Oh, on a tous des hauts et des bas, dit Coraline en reprenant sa poupée et le peigne. Oui, je, je vais te laisser alors. Oui, vous êtes gentille, merci. Et, et passez par la porte, hein. ne faites pas de bruit, s'il vous plaît. Non, 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 ne t'inquiète pas. Et je ne reviendrai plus t'importuner, c'est promis. Oui, pour votre bien, je crois qu'il vaudrait mieux. Alors, au revoir, Coraline. Non, pas au revoir, adieu. Adieu, madame. Et bonne chance.